19h au Carré Cathédrale au centre-ville de Saint-Denis, c'est l'heure du rush pour les bars et restaurants à 2h du couvre-feu. Autour d'un verre entre amis ou collègues, les clients en profitent. Dans ce contexte, apprendre que le couvre-feu risque d'être prolongé jusqu'à la fin du mois, c'est la déception. Et c'est dommage pour nous que nous, on nous enferme encore et qu'à 21h, on est obligé de rentrer chez nous alors qu'on a envie de que faire la fête. Hier, on est parti manger et vers la fin du repas, ou même on n'avait pas vraiment fini, mais quand on a vu qu'il était bientôt 21h, on s'est précipité à vite manger, vite prendre le dessert. Et même le patron, il était stressé parce que c'était assez désagréable de dire « oui, je vais fermer ». Entre agacement, résignation et lassitude, les patrons d'établissement doivent prendre leur mal en patience. Le couvre-feu est là depuis maintenant plus d'un mois et les gens mais le respectent de moins en moins. Donc pour nous, c'est beaucoup plus dur vers 20h30, 20h40 à expliquer aux clients que c'est la fin de service. Et à plus le couvre-feu se prolonge, à plus les gens veulent rester et se disent que ça sert à rien de suivre ce couvre-feu et du coup ils traînent. On est toujours en train de retarder l'échéance et je trouve pas... Voilà, pour ma part, je ne trouve pas ça très agréable ni très sain. On a joué le jeu à fond, donc je pense que maintenant, on devrait un petit peu nous libérer. De la colère, c'est sûr, surtout que ça dure et on se demande si un jour on va nous dire c'est reparti. Surtout quand on voit dans les autres départements ou même en métropole que la vie elle a repris depuis bien longtemps, depuis beaucoup plus longtemps qu'ici en tout cas, et que nous remet toujours des restrictions. Et pourquoi au final? Parce qu'on ne voit pas tant la différence. Initialement prévu jusqu'au 21 février, le couvre-feu devrait être prolongé d'une semaine jusqu'au 28 février. Très attendu, le préfet le confirmera ou pas ce vendredi après-midi.